bonnes concernant ce nouvel album Chronicles. Et comment avez-vous abordé l'entrée en studio après Serenity? Comment on l'a abordé? Ben, ça a été, disons, une nouvelle aventure, sachant qu'en plus, là, la ligne artistique était un petit peu différente, notamment pour moi. Parce que moi, en fait, quand je suis arrivée pour Serenity, tout était déjà composé. Voilà. Donc, moi, j'ai posé les violons sur 4 titres, mais du coup, ça a été de l'arrangement. Alors que là, pour Chronicles, il y a vraiment eu un travail de composition. Et on retrouve le violon sur collectif. Quasiment tous les titres. On a tous travaillé ensemble, plus à un esprit d'équipe, à travailler avec. Partant d'une idée, en fait, après de créer en fait un morceau, un univers autour d'Identity et du groupe. Voilà, on a défini des lignes pour cet album-là. Ouais. Tu as répondu juste à une petite annonce en disant, bah tiens, c'est le style musical que j'aimerais jouer. Comment s'est fait cette rencontre? Bah effectivement, je connaissais déjà le groupe avant parce qu'on avait partagé une affiche dans le groupe que j'occupais avant. Donc on avait ouvert pour eux sur une date à Paris au club. On s'était bien entendu déjà, bon moi je faisais ma route avec ce groupe là, groupe qui s'est séparé, et puis effectivement il y a eu l'annonce, merci Facebook, bah tiens je connais un gratteux si tu veux, bah c'est moi, ben bah, voilà c'est parti, j'ai auditionné, puis ils m'ont retenu, voilà. Et j'en suis très content. C'est son imitation de Mammouth qui nous a... Bonjour Mammouth.
pour l'émission, c'est une table. Si vous voulez le déguster, d'ailleurs, on peut l'ouvrir et puis on peut le boire, n'est-ce pas? Comme ceci. Je vais chercher une bouteille, il n'y a plus qu'une claque sur le cul. Ah. La cave est inondée ou quoi? Aux dames citoyens, journée au bataillon, marchons, marchons, dansons pur. Bon, alors, hey, les gars, la photo, la photo. Allez, fais ça. Bon, l'apéro. C'est bon. Grande. Hein. Venez.
Et voici au bout du bus.